aujourd'hui l'Office de tourisme de Viassin vous propose de découvrir l'église Notre-Dame de l'Assomption. Je vous invite à nous suivre. En premier lieu, on trouve à droite la statue de Sainte Roseline. C'est une sainte qui est née dans le Var, la seule sainte varoise d'ailleurs. On dit qu'elle était attristée par le sort des pauvres qui vivaient donc autour du château de son père et qu'elle avait pour souhait de leur donner nourriture, boisson, etc. Pour réaliser ce vœu, elle se rendait dans les caves de son père et en remontait à boire et à manger pour nourrir les pauvres du village. Par contre, son père s'est alarmé des baisses de quantité de sa cave et c'est pour ça qu'un jour, il l'attend en haut des escaliers et il lui demande ce qu'elle tient dans son tablier. Elle ne veut pas mentir, elle ouvre son tablier et à la place des victuailles tombe une gerbe de rose. On a considéré que c'était un miracle. Elle est rentrée dans les ordres jusqu'à devenir donc Sainte Roseline. En continuant, donc, nous avons le chemin de croix qui a été réalisé par Michel. Vient ensuite le tableau de Raphaël de Bella Caverso qui a été réalisé donc en 1587 et qui a donc une valeur patrimoniale importante pour notre église. Juste au-dessus, nous avons un premier vitrail dans l'ouverture de la fenêtre, suivi par un deuxième, puis un troisième, qui ne sont donc que les trois seules fenêtres de l'église. Ces trois vitraux, donc, sont l'œuvre de Claude Vaillant en 1968 et ils représentent la purification de l'âme, du plus foncé jusqu'au plus clair. Et se trouve donc ici la statue Notre-Dame de l'Assomption, qui est donc la Vierge à qui est dédiée cette église, dont la fête est le 15 août. En continuant sur le côté droit, se trouve le reliquaire de Saint Laurent. Saint Laurent, donc, est mort en l'an 237 sur le Puy. C'est le saint qui est devenu le saint patron de notre village. Il y a une procession qui a lieu la deuxième quinzaine d'août, au moment de la fête de Saint Laurent, qui est le 10 août. Une fête dont il y a procession. On sort le reliquaire et on l'emmène à la chapelle Notre-Dame de la Consolation. À bientôt!